Bonjour. Je prends un moment pour commenter le texte de Marc, chapitre 9, versets 2 à 10. J'ai retranscrit le texte sous cette page pour votre compréhension. Il me doit commencer par une phrase profonde. Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout? Le Christ Jésus est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Vous pouvez me dire, en quoi cela nous concerne-t-il, cet épisode mystérieux en Marc? Dans le texte, nous lisons que le Christ fut transfiguré devant ses trois disciples. Et ce mot « transfiguré » nous concerne. Eh oui, ça parle de nous. Pourquoi? Tout d'abord, ce mot, c'est une traduction du mot grec « métamorphoté ». Ce verbe grec est utilisé ici sous une forme passive. C'est important de comprendre cela, car cela met l'accent sur l'action de Dieu comme celui qui révèle son Fils à ses disciples. Donc, une révélation. Et les disciples peuvent découvrir qui est vraiment leur maître, même s'ils le comprendront seulement qu'après la mort et la résurrection. Notre chemin vers Pâques mène toujours par la transformation de notre intérieur. Tous nos efforts durant le carême, sous la conduite de l'Esprit-Saint, donc les prières, les privations, la charité envers les autres, nos actions caritatives, c'est pour que Dieu se manifeste en nous. De sorte que quelqu'un qui nous écoute et voit nos actes se dit « Quelle métamorphose !» Ou plutôt dire « Quelle transfiguration! » J'ai un désir de vous partager ce qu'un grand ami m'a écrit cette semaine. Mon ami Jean-Pierre. Wow! Je suis resté bouche bée. Un message d'une profondeur incroyable. Je vous partage une petite partie de son message en espérant que tu puisses faire un lien avec la transfiguration et la vie de foi. Et voilà. Bonjour Robert, je suis content de te voir, bâton du pèlerin à la main, caméra à l'œil, évangile à la bouche. Voici ce que j'ai écrit dans mon autobiographie en méditant sur les sacrements de réconciliation et de première communion que j'ai fait à 7 ans. Cependant, après un certain laps de temps et plusieurs révisions de la situation révélée, j'en viens à apprécier une accalmie intérieure, comme si une lumière m'avait permis de distinguer tapis dans l'ombre, un visage, un nom, une peur irrationnelle que je pouvais maintenant affronter, apprivoiser ou chasser hors de moi. J'en suis venu à faire un rapprochement avec le processus des sacrements de la réconciliation et de l'Eucharistie auquel on m'a initié à 7 ans. À l'exemple de Jésus, visiter les malades, pardonner à ceux qui me persécutent, chasser les démons,
prendre le repas ou rompre le pain avec ses ennemis, avec les rejetés de la société, au risque de déplaire aux bien-pensants. Le processus m'invite à devenir ce Jésus pour soi-même, pour les parties de moi malades, assoiffées de tendresse, d'amour, de reconnaissance, dérangeantes parce qu'elles me poussent à m'affirmer, à parler, à dénoncer, alors qu'on m'a obligé à me taire, prendre du temps pour soi, alors qu'on m'a appris à donner sans compter. Envoie une intention d'amour sur ce que tu vis et Dieu le purifiera. Et cela te transformera pour le meilleur de qui tu es. Mon carême, Robert, prendra encore cette année cette forme de laps de temps à suivre Jésus dans mes cavernes et dans les méandres de ma communauté chrétienne, en annonçant la bonne nouvelle d'un Père qui redonne la vie à ce qui était mort. Bon carême, Robert. C'est incroyable, n'est-ce pas? D'une grande profondeur. Jean-Pierre est un simple baptisé, comme toi et moi. Il n'est pas un ecclésiastique. Waouh! Et waouh! Cette réflexion me fait réfléchir. Dans notre expérience personnelle, la transfiguration s'agit de découvrir qui est Jésus-Christ et ma vie en lui. Même si le chemin vers ma propre résurrection mène par les moments difficiles et d'obscurité où je ne comprends pas toujours, je continue à marcher, à avancer. Comme dit si bien Jean-Pierre, suivre Jésus dans mes cavernes. Ce carême, cette grande retraite, est là pour nous aider à en prendre conscience, à retrouver cette lumière intérieure que nous avons reçue au baptême. Dans ce temps de carême, laissons-nous transfigurer par le Christ et offrons autour de nous ce visage de ressuscité que Dieu nous a donné en donnant sa vie pour nous. Que Dieu nous donne aujourd'hui l'humilité d'oser, en couple, en famille, en communauté, dans nos relations peut-être brisées, des paroles et des gestes de pardon, de miséricorde et de réconciliation, comme effort de carême, et qui donne également de supporter et d'aimer les personnes ennuyeuses, comme ils nous supportent et nous aiment. Et nous aurons fait un pas sur le chemin de la vie chrétienne. On lit dans le texte, vous donc, vous serez parfait, comme votre Père céleste est parfait. Voilà, bonne réflexion et surtout, bonne journée à toi.